It's my duty and my privilege to wish you all a very warm welcome to Sciences Po. This morning, in the course of the next 2 days, you will be comparing various national contexts. You will be pointing out the mechanisms of class relations and their inclusion in various domains of social life, politics, lifestyle, geography, etc. Notre intention, quand on a commencé à réfléchir à cette conférence avec Marco, c'était en fait de confronter une diversité de points de vue théoriques et méthodologiques sur la question des classes sociales aujourd'hui. Donc c'était une question, un point de départ extrêmement général, qu'on a essayé de décliner sur une grande diversité d'objets et dans une perspective aussi de comparaison internationale. L'idée aussi, c'était peut-être pas de réconcilier, mais de rapprocher deux approches des classes sociales, l'une plutôt centrée sur la stratification, la mobilité, les études quantitatives, et des approches plus qualitatives, localisées, ethnographiques, des modes de vie et des relations entre les groupes sociaux. Donc l'idée, c'était aussi peut-être de rapprocher des traditions qui n'ont pas beaucoup l'habitude de dialoguer ensemble. As I define it, social class structure has been remarkably stable in the U.S. Differences in life conditions, personal well-being between ownership, management, and workers have remained highly stable since the 1970s, as have differences in political attitudes and behavior, like presidential voting, liberal conservative political ideology, and so forth. Social mobility is a way of studying inequality of opportunity, and my work shows that inequality of opportunities is decreasing in Brazil. That's a good thing. And it's mainly because of educational expansion. Je viens présenter avec ma collègue Marie Cartier un travail qui est une ethnographie localisée dans un quartier de banlieue parisienne. Et notre objectif est de montrer que les approches très localisées, ethnographiques, historiques, sont très complémentaires des approches statistiques pour étudier la stratification sociale et la mobilité sociale aujourd'hui. On suit en fait plusieurs générations. Et donc ça permet notamment de réfléchir aux catégories d'analyse qu'on utilise souvent en sociologie des classes sociales. Et notamment, on essaie de montrer que cette population qu'on a étudiée, elle ne peut être correctement pensée ni par la notion de petit bourgeois qu'on trouve dans la distinction de Pierre Bourdieu, ni dans la notion de classe populaire respectable, qui est aussi une notion assez diffusée dans la sociologie des classes populaires en France et qu'on doit notamment à Richard Hogarth. Sciences Po.